C'est à 11 h précises, tel que convenu, que les députés du Parti congolais du travail, François Nduna et Yves Tsoumou, respectivement de la première et deuxième circonscription électorale de Monsenjo, ont été reçus en apothéose à leur arrivée à la place publique, communément appelée Place Rouge, où les attendait leurs mandants du quartier 2, Mozart. Au cours de cette descente parlementaire, les honorables députés ont tour à tour expliqué les affaires examinées et votées à la quatrième session budgétaire de l'Assemblée nationale, parmi lesquelles la loi Mouibara, l'ouverture d'un centre d'incarcération des jeunes en proie à la délinquance juvénile dans la Bouenza, l'abus de pouvoir des forces de l'ordre et bien d'autres. Ils ont profité de l'occasion pour éveiller les mandants à la citoyenneté, au respect des biens publics et des lois en vigueur. Partout où ils sont passés, c'est-à-dire du quartier 2 Mozart en passant par le quartier 5 Yombo et 7 Malembo, ils ont réitéré leur engagement envers ceux qui les ont votés à travers des actions telles cette voiture d'auto-école pour permettre aux jeunes désœuvrés de se prendre en charge. Le don des machines à coudre et matériel de coiffure pour favoriser la formation de la jeunesse. Insistant sur l'amour, la cohésion et la paix sans lesquelles il n'y a pas de développement possible. Il sied de signaler également que les travaux d'assainissement de la ville entière de Mocenjo, mais bien plus de réhabilitation de la route qui part de Mocenjo à Milamila, sont à l'actif du député François Nduna.